Salut tout le monde, c'est Azarath, on se retrouve pour le quatrième épisode du Let's Play sur Seven Days to Die. Et on va. La dernière fois on était sorti du grenier. On avait passé une nuit un peu augmentée. Et là on va tout simplement essayer de se diriger vers le biome bleu. Pas loin du désert et pas loin de la terre morte. On va essayer d'y aller tranquillement. Alors déjà. Ok, donc c'est tout droit. Il est 10h38, normalement on aura le temps d'y aller. Alors qu'est-ce que j'avais sur moi? Je vais m'équiper d'une arme. Voilà. C'est parti, on y va. Alors c'est vrai que la dernière fois c'était un peu... Ah mais le biome bleu en fait c'est une terre morte. D'accord. Bon. C'est pas très rassurant tout ça. Oh là là. On va tout de suite aller à droite. Oh, qu'est-ce que je fais? J'essaie de me les faire ou quoi? Bon. Allez, va. Ah, c'est cela que j'aime pas, saloperie, dégage. On va essayer de tous les regrouper pour pouvoir se les faire en même temps. Alors eux, ils marchent, leur tête se balance un peu chaud de les viser. Voilà, au suivant. Il y en a un sacré paquet quand même. Heureusement qu'il fait jour, hein, sinon je serais déjà mort. Voilà. On va fouiller un peu. De l'eau. Toi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fouille la maison? Bon allez, c'est parti. C'est parti. Alors. Rien, c'est un sac. Oh! Oh 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 oh. Ben, j'ai bien fini. Hein. J'ai bien fait de fouiller cette maison. Encore un flingue, je vais juste prendre les munitions parce que je commence à être un peu surchargé. Carabine. Ah, je vais faire comme ça. Voilà. On sait tout, je fouille pas plus, hein. De toute façon, on trouvera pas mal de ressources là où on va. Donc je continue, je continue. On va y aller tranquillement. Il est midi 4. On a encore pas mal de temps devant nous. Pour l'instant, c'est plutôt calme. Est-ce que j'en profiterai pas pour prendre du bois? Heureux, désolé, j'ai coupé deux secondes. Ouais, donc je disais... Ouais, je vais prendre du bois, j'en profiterai. Surtout qu'ici les arbres sont vachement grands. Ils donnent vachement de bois. C'est peut-être du bois brûlé, mais du bois reste du bois. Voilà. Et quand même, en un seul arbre, 23 bûches, c'est pas mal du tout. Donc, ouais, il va falloir s'activer quand même. Allez. Alors les ponts, faut faire très attention aux ponts. Il y a des dalles qui s'écroulent des fois. Quand on marche dessus. Bon, là, ça a l'air d'aller. Mais ça arrive souvent qu'il y ait des cubes qui tombent. Et après, on se retrouve le cul dans la flotte.
rien. Ouais, la journée, c'est pas très passionnant, hein. On avance, ah, encore un bâtiment là-bas. Il y a une méchante guêpe là. Ah non, je vais me rapprocher, ça sert à rien. On vient par l'autre. Les grands moyens, voilà. Alors les abeilles, elles donnent ça, je sais pas plus trop comment, enfin ce que c'est. Ok, il y a un bug, il y a le nom des planches en bois sur le truc que l'abeille m'a donné, c'est pas grave. Je crois que c'est une espèce de jus, comme de la gelée royale, je sais pas quoi. Et ça, je vais le prendre maintenant. Ça nourrit et ça étanche la soif en même temps. Peut-être moins qu'une bouteille d'eau ou que de la bouffe en elle-même, mais... Voilà. Donc c'est assez sympa comme truc. Donc on continue, pardon. Allez. Bon, c'est bon. Pas mal comme fusil, ça. Bon, on en est là, on va essayer de s'arrêter ici. Ça peut être pas mal ici, là. Oh, je sais pas. C'est chaud, en fait. Je pensais pas que ce biome-là, c'était... c'était une autre terre morte, parce que ça, c'est une sorte de terre brûlée. Et le biome noir, en fait, c'est des gravats. Donc c'est un peu similaire, quoi. C'est mort, y a pas de plantes, y a rien. Ou alors, est-ce qu'on n'essaierait pas d'aller au-dessus? Je vais aller par là. Je vais aller par là. Hop. Peut-être que ce sera un peu plus... ce sera un peu mieux. Il y aura sûrement beaucoup plus de ressources qu'ici, parce qu'ici, franchement... ça craint un peu. Allez, bon, je vous fais une ellipse, hein. On se retrouve en haut. Ouais, j'ai coupé la vidéo, hein, parce que c'est vrai que parfois il y a des moments qui sont pas très intéressants dans le jeu, et je préfère couper. C'est toujours plus, c'est toujours un peu mieux de couper certains passages, parce que ça prend du temps. Et je ferai ça un peu plus souvent maintenant. Donc là, on voit qu'il y a pas mal de zombies. C'est encore une maison sur deux étages. Je vais essayer de faire vite fait le ménage. On va faire vite fait le ménage, on va s'installer là pour la nuit. Ça va être pas mal. Au suivant. Pourquoi pas construire un petit truc au sommet du toit. Comme j'ai récupéré pas mal de bois, même si c'est un peu du bois un peu chipos qui va se péter en deux coups de tête. Oh. Hop. Ça devrait être bon niveau ménage. Ça a l'air calme. Il est 15h, on va essayer de se dépêcher. J'espère qu'il y a un lit. Parce que s'il n'y a pas de lit, encore des cartouches. C'est cool. Un autre fusil à pompe, peut-être un peu mieux. Hop. Encore un fusil. Des munitions d'MP5. Bien, encore une munition. J'ai l'impression que les gens ils sont armés jusqu'aux dents avant de partir. Ils disent bon, on va laisser les flingues ici.
sait jamais si quelqu'un tombe dessus. De la flotte, de la bouffe, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Ouais. Quoi qu'à la rigueur, je peux tout laisser là-dedans. Comme je vais rester là, ça sert à... Oula. Ça sert à rien de... tout piller. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi pas connaître ce truc. Je vais prendre... Là, il y a un coffre. Ouais, encore des munitions de fusil de chasse. Des munitions de fusil. Bon, on va essayer de s'établir sur le toit. Normalement, il doit y avoir des escaliers ou quelque chose. Une échelle, voilà. Une échelle. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire debout? On peut déjà péter les vitres. Ouais, on va péter les vitres. Est-ce que je peux me mettre à main nue? Si possible. Je vais prendre les sticks. Prendre les sticks, on va péter les vitres, tout simplement. Et on va remplacer les vitres par des blocs, histoire de nous faire un sol. On va construire un petit truc ici, une petite pièce. Par contre, j'ai pas vu de lit. Ça craint un peu. Voilà. Une plume, pourquoi pas, allez. Toujours un peu de métal. Et dégage. C'est pas vrai. Indestructible. Bon, on va commencer à faire les blocs. Hop, voilà, 92. Bon, ça devrait aller, ça va faire une petite pièce, quoi. Une petite pièce assez haute, si possible. Ouais, je vais faire deux blocs. J'aurais peut-être dû mettre le sol en premier, c'est pas grave. Vous savez quoi? Je construis mon truc, je fais une ellipse, et quand c'est fini, on reprend. Hein, ce sera mieux comme ça. Allez, à tout de suite. Heureux les gens, j'ai eu un gros souci. Le truc, c'est que j'ai construit mon abri tranquillement. J'ai pété le bloc du milieu pour pouvoir voir en dessous de moi, tout simplement. Et tout le truc s'est effondré. Mais tout, hein. Toute la baraque s'est effondrée parce que j'ai pété un malheureux bloc en bois. Donc, me voilà toujours dans la maison de l'épisode 3. C'est un epic fail. Dommage que j'ai pas filmé ça parce que... Mais vraiment, mais tout s'est effondré. Mais vraiment tout. Et là, il est 18h et je sais toujours pas où je vais me mettre. Ça craint, franchement ça craint. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans une maison? Est-ce que je reste dans une maison ici en attendant? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? On va regarder la map. Ouais non, j'aurai pas le temps. Pour le prochain épisode, on ira dans le... Là-bas, il y a un champ de maïs, en fait. Donc ça fait beaucoup de nourriture. Il y a deux bons bâtiments. Et on pourra s'établir pour la nuit prochaine. Là, cette nuit-là, je vais rester dans la ville. Parce que là, il est déjà... Merde, 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 merde. Parce que là, il est déjà pas loin de 7h. Voilà. Donc ouais, il est pas loin de 7h et vaut mieux aller se planquer. On va prendre celle-là. On va prendre celle-là. Pourquoi j'ai fait ça, j'en sais rien. Pas mal de métal. Plutôt bien. 0. Ok. Des meubles. Encore tout un tas de trucs. On va tout prendre. Encore de la bouffe. La bouffe et de l'eau, j'ai plus de place du tout dans mon inventaire.
Je suis en train de me poser une question. Ah, j'ai plus de bois du coup aussi. Est-ce que je ne resterai pas ici en permanence en fait? J'ai besoin de bois rapidement, allez vite vite vite. Le soleil se couche, on va se dépêcher. Et allez. Est-ce que je construirais pas une sorte de base pour renforcer la maison à mort en fait? Pour pouvoir rester dedans. Je pense que ça peut être sympa. Allez, mène-toi. Je vais me faire défoncer. Je pense que ça peut être... Oh putain, ça arrive. Ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Allez, allez, allez. Allez, pousse. Ferme la porte. On va monter directement au grenier. Tant pis, on a pas vraiment le temps de renforcer toute la maison. Je vais prendre une arme parce que le grenier, s'il y a quelqu'un, ça va pas le faire. Ça a l'air vide. Oh putain, il m'a fait peur. Oh putain. Allez, encore des munitions. Enfin, je dis encore des munitions. Mais non, j'ai tout perdu là-bas, forcément. Ah. Non, j'ai pas besoin de ça, surtout les munitions. On va se dépêcher de faire des pics. Hop, on va faire des pics. Je vais garder des blocs. Il y a un joueur qui a rejoint le jeu. Je m'étais pas mis en privé. What the fuck? J'étais pas en privé? Sérieux, j'étais pas en privé. J'espère qu'il va pas faire le con. J'espère qu'il va rester tranquille. Ça, je pense que ça fout dehors. Où c'est qu'il est? Il est là. Il est là. J'espère qu'il va pas essayer de me rejoindre. J'aime pas trop ça. J'aime pas beaucoup ça. Est-ce que je mets le lit? J'hésite à mettre le lit en fait parce qu'après il pourra me rejoindre dès qu'il meurt en fait. Il pourra venir. De toute façon là il fait nuit donc je pense pas qu'il viendra tout de suite. Il faut que je bouche la fenêtre. Il faut que je bouche la fenêtre. Il y a la torche mais un bloc suffit largement. Un bloc suffit, voilà. Quoi? C'est quoi ça? Bon tant pis, pas de pique, rien du tout. Juste ma flingue. Encore des munitions. Bon ça je sais pas trop ce que c'est. C'est une toile d'araignée. Bon. Ouais. Je sais pas trop ce que ça fait, ça ralentit peut-être peut-être les zombies, je sais pas. Ah, ça va venir, là. Ça commence à traîner, là. Je sens. Je sens que ça vient. Ah, de la bouffe, c'est toujours bon de la bouffe. Toi dégage, on va avoir besoin de ça. Ok, il y a un zombie qui est en train de buter tous les autres zombies. Quoi, je ne sais pas. On va faire un trou comme d'habitude. Je suis quand même dégoûté pour la baraque. Là. Je vais construire un bon truc. Et tout m'est tombé sur la gueule. Mais j'ai pas l'habitude de la physique de ce jeu là. C'est vrai que quand il est question de construire avec des blocs, on est tout le temps habitué à Minecraft et ça. Ça c'est déjà un peu plus chaud.
Bon, pour l'instant ça a l'air calme. Espérons que la plupart des zombies est cinglé. Il va se faire défoncer. Ah, ça commence à venir. Ça commence à venir. Je vais faire un truc. C'est de détruire ma cloison là. Pour éviter qu'un spider zombie s'en sert pour grimper au mur. C'est un peu long. Pour l'instant, ça y est, lève-la les copains. Lève-la, lève-la. Ils sont en train de s'exciter après l'échelle. De toute façon, là, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'épisode 4. Ça fait déjà pas mal de temps que je tourne. Il commence à se faire long, les épisodes. On voit pas le temps passer et on continue, on continue. Donc je vais vous laisser. N'hésitez pas à commenter, toujours à me donner un objectif que j'essaierai d'accomplir. Je dis bien que j'essaierai parce que... Déjà qu'il y a la moitié d'une baraque qui m'est tombée dessus, à mon avis... Ça va pas être jojo. Donc voilà, un pouce bleu, on commente. Abonnez-vous si vous voulez suivre ma chaîne. Il y aura du contenu de toute façon tous les jours. Il y aura une vidéo, que ce soit sur ce jeu ou peut-être sur un autre jeu. Je vais peut-être me lancer aussi sur d'autres petits jeux pas très connus. Surtout des jeux pas connus en fait, pour les faire connaître du grand public. Enfin, essayer de les faire connaître, leur faire un peu de pub. Ça peut pas faire de mal. Donc voilà, bah c'était Azarath pour Gaming for Fun et je vous souhaite bonne soirée et bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!